هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. Qui vient renforcer l'organisation cette année, Abkhadak et Hichem Chitaoui, les deux nouveaux qui viennent nous aider, sont le dépôt pour cette année. C'est Khalil Otaleb, directeur du tournoi. Nous sommes ravis de cette superbe semaine avec une très belle finale qu'on a jouée à guichet fermé, alhamdoulilah, pour la première année. Depuis longtemps, vraiment, je remercie le public. Je remercie toute l'équipe d'organisation du tournoi qui a vraiment fait un travail fantastique pour accompagner ces joueuses. On a eu beaucoup de chance cette année avec un tableau vraiment de très haut niveau, avec des joueuses classées entre 18 et 60 mondiales. Et là aussi, je remercie les équipes techniques, les équipes d'accueil, du transport, qui font un travail vraiment fantastique et qui mettent vraiment les joueuses à l'aise. Parce que souvent on me demande comment ça se fait qu'il y ait des grandes joueuses qui viennent à Rabat. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à toute cette chaleur, ce que vraiment très, très à côté des joueuses, on fait attention à tout ce qui est important pour elles, les entraînements, l'hébergement. Et ça c'est quelque chose qui fait la force du tournoi de Rabat. Et c'est pour ça qu'on a des grandes joueuses qui viennent. La participation marocaine, les joueuses marocaines. Là aussi, c'est une grande fierté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu trois joueuses marocaines dans les tableaux du Grand Prix de Son Altesse Royale, la Princesse La Mariem. Vraiment très fier d'avoir des joueuses comme Yasmine Khabbaj et les deux grands espoirs du tennis national, Malak Al-Alami et Ayel Aouni, à qui je souhaite vraiment une très belle continuation dans le circuit junior et à Roland-Garros la semaine prochaine, Inch'Allah. Et j'espère qu'elles viendront vraiment en force l'année prochaine et qu'elles un jour seront les premières marocaines à remporter ce grand prix de Son Altesse comme des grandes joueuses auparavant comme Mayar Sherif et Ons Jabeur. Ce serait très bien qu'on ait des joueuses marocaines qui fassent un très bon résultat ici et j'attends avec impatience. L'organisation cette année avec Khadak et Hichem Chitaoui. من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.